Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur AH Gaming pour l'épisode 13 de notre série sur Civilization Révolution. Épisode 13, le chiffre du malheur, mais qui portera malheur à nos adversaires. En effet, souvenez-vous, on était en train de prendre d'assaut le monde entier. On s'était fait des spots, c'est-à-dire qu'on a le pouvoir absolu sur notre peuple. Et du coup, bah, on se fait plaisir. On ruine un peu tout. On a testé un peu la puissance dévastatrice des avions également. Qui fait bien plaisir. Hop. On a pris Pamplune, d'accord, fort bien. Bah du coup les tanks vont continuer leur avancée. Ah bah voilà Madrid. Parfait. On va essayer de prendre Madrid directement. Hop, la première vague rond. Parfait. Ici, on a les tanks Sherman qui continuent à se produire. On va les stocker là pour l'instant. En attendant d'aller attaquer le Japon. Là, toujours le missile. Laissez là. Il n'y a pas des unités qu'on peut attaquer par là? Tiens, ça. Allez, à l'attaque de Madrid. Non, c'est pas Madrid ici. Très bien. On blitz, hop. Hop, allez, on rattaque un coup. Conquistador espagnol. Bon, bah, il s'est fait conquérir. Ils ont pris Valladolid. Hop, parfait. Bon là ça sera pour le Japon plus tard. Hop, lui il va venir se mettre là pour former une petite armée. Non, j'ai rien demandé du tout. Je voulais former une armée, hop, qui va se stocker là du coup. Et là on a nos avions. Mais ils sont en galère nos avions ou quoi? On sait pas trop ce qu'ils font. En revanche, on en a par ici qui n'ont pas joué. Allô? Non, je peux pas les. Non, bon. Dernier tour, ok. Valladolid, non, on va construire un bâtiment à la limite. Genre usine, truc bien long pour pas que ça me. Que ça m'embête en permanence. Pareil. Bon. N'acceptons pas la paix. Les choses de votre civilisation. Ah, gardez votre piètre cadeau. Que nenni. Allez, c'est parti, on la ruine. Acharnement total sur l'Espagne dans cet épisode. J'annonce. Hop. Parfait, on s'en repermet une petite. Hop. Du coup, pendant ce temps-là, continuons à avancer. Parfait. Mon autre armée de tanks pendant ce temps-là va partir direction le Japon. Ouais, c'est ça là, hop. Non, là. Ah, un nouveau petit escadron qui va partir direction le Japon. Celui-là il va venir ravitailler ici. Bon, ceux-là ils peuvent enfin attaquer quelque chose ou ça se passe comment? Travel hail.
Allez, on attaque tout le monde en même temps. Hop. Ok, donc eux c'est bon. Ici, ouais, on a le missile au cas où. Bon, on est un peu en train de régler pas mal de soucis. Je voudrais juste voir vite fait où on en est. Voilà, qui est en tête. Victoire culturelle, ok, je suis à 19. Donc, si jamais, je propose qu'on utilise le missile nucléaire maintenant. Voir ce que ça fait. Bah, le truc, c'est que j'aurais bien défoncé Athènes quand même. Parce que les Grecs, je suis pas encore rentré en guerre avec. Mais je sais pas du tout où ils sont. Donc ça complique. Ah, mais j'ai pas mon petit sous-marin qui traîne par là-bas, c'est parfait. Bon, oui, ça doit être là-dedans, Athènes. Ah, ou peut-être plus par là. Bon, on va aller voir déjà là. Ah, puis là j'ai mon cher Destroyer. Ah bah voilà. Bon allez hop, vous êtes prêts? On va voir ce que ça fait. Activer l'unité sur Athènes. Ok, là il va se passer quelque chose d'énorme. Ok. Bah, je sais pas trop ce que ça a fait. En tout cas, ça a niqué tout ce qu'il y avait autour, genre tous mes bateaux et tout. Mais il y a toujours Athènes. Mais j'ai dû leur faire mal quand même, je pense. Mais c'était cool. Ok, le Japon qui se ramène à cheval. Eh, qu'est-ce qu'ils me font chier, Ok, les catapultes. Très bien. Nouveau dirigeant territorial. What? Pourquoi il est premier? Il est trop bas premier. C'est moi ou... Si si j'ai rayé Non? Ah oui non, c'est Madrid. Bon moi j'ai rien dit. La merveille Nations Unies. Ok, on peut finir partout quoi. La cour de carburant. Ah, ok. Attaque suicide. Ah, Madrid. On serait Bernabéu. À quoi d'eau, quoi. Bon. Waouh. Qu'est-ce qui passe? Ah, je l'ai terminé. Ouais, ils font des bruits de ouf. Ça m'a fait flipper. Construire bâtiment. Bah, une usine, allez. Comme tout le monde, hein. Hey.
Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Pas morte? Allez, forteresse. Putain. Attaque de Tolède. Hop. On va aller attaquer Vigo aussi au passage. Histoire 2 quoi. J'avais prévu que c'était acharnement espagnol. Hein. Bon, il y en a une petite pour les Grecs au passage, mais. Très bien. Ils vont rester là au pire, ils sont très bien. Le sous-marin. Que devient Athènes? Ouais, ils ont l'air de bien s'en sortir les Grecs finalement. Ils se sont pris juste une petite bombe nucléaire sur la tête, mais. Ça n'a pas l'air de leur avoir fait si mal que ça. Hop, on va laisser ça là. Former armée de tank, PM. On va aller attaquer Kyoto. Hein, quoi? C'est quoi ça? Un chevalier samouraï, ça gêne? Attends, y a pas de l'infanterie là qui traîne pour s'occuper de ça? Bon bah, on va déjà aller attaquer Kyoto avec ça. Ouh, 72 de défense! Ils font pas le poids. Ah si, on a perdu un avion quand même. Bon, enfin voilà quoi. Voilà. Du coup là, la voie est libre ou toujours pas? Non, toujours pas. Elles sont les infanteries. Là. Histoire de se rendre utile. Ah mais c'est vrai que genre, ça se déplace, ça attaque plus du coup. Pénible. Bon, on va attaquer au tank. Oh les pauvres chevaux. Ah, cool. Infiltration. Ah, c'est bien ça. Allez, à l'attaque. Infiltration et tout. À l'aise. On va en prendre tous les pays d'un coup là. Hop. On va réduire vite fait ça en charpie. Voilà. Puis on va les amener aussi. Bah c'est bon, ils sont là. Voilà, bah, ça attaque. Donc là. Là. Le Japon. L'Espagne, on en est où? Ah, il reste eux qui s'aident pas là. Je fasse gaffe au carburant. On a pu concéder donc l'Espagne. L'Espagne dans le mal. Oh putain! Y'en a qu'on des tanks. Non mais le gars il coule mon sous-marin quoi, il est sérieux. Ça va pas les gars là. Ouais les Nations Unies c'est bon, j'ai compris. Mais on va peut-être pas finir la partie tout de suite les gens, qu'est-ce que vous en pensez? Ah c'est bien ça. On a un vol spatial. Hein. Je suis rassé, c'est quoi ce bateau? Je sors Mustang, c'est pourri. Ouais, hop, là, vol spatial, on est parti. Intéressant. What? J'ai pas compris ce qui se passait là. Putain, il y a partout l'Espagne. Là, on prend Kyoto. Ouah, défense 75. Putain, il déconne pas au Japon. Bon, on a perdu une armée de tanks.
Bon, on va directement y aller du coup avec les avions. Ce sera plus simple. Allez hop là. Comme ça c'est réglé. Puis les tanks qui finissent le boulot du coup. Genre le gars il s'est fait un tank tout seul quoi. Ça là, genre on prend possession un peu. Ah y'a des tanks là. Encore. Go. Allez on les achève. Blitzkrieg. Encore des tanks qui se produisent ici, ok. Et là. Ok. Mais à nouveau des avions. Je les envoie peut-être pas en Russie. On les envoie pas en Russie, en Japon. Bah là du coup. Elle est où la capitale? Moscou. Elle est là. Parfait, ça avance bien tout ça, on contrôle le monde, on contrôle le monde. Épisode vraiment spécial guerre hein, aujourd'hui. En même temps on est développé un petit peu partout donc on se lâche, hein. J'ai essayé de faire un truc un peu propre. C'est-à-dire qu'on s'est développé comme une vraie nation mais maintenant j'ai pris le contrôle au pouvoir, rien à foutre et c'est le bordel. J'ai craqué. Merci H. C'est pas nous ça, si. C'est le nom russe. Bon, là, nous on défend tranquillement nos villes. Il reste des unités qu'on peut jouer ou pas? Je sais pas comment on fait. Ah ouais. Là. What? Voilà, ça est là, lui. Hop là, terminé tour. D'accord, d'accord. Tiens les petits chasseurs chasseurs zéro japonais. Hop là, au revoir. Jean. Oui, oui, les Sans-Unis. Bah tire mes réveils, tiens, pire. Ah, les Sans-Unis, non, c'est bon. Hop, on va former un escadron une fois de plus. Et on va les envoyer également en Russie. 108 de défense, les mecs! Oh, ils ont craqué! Ça passe, ça passe. Non, ça passe pas. On retente. Plus que 72. Ah, ils sont développés les pays en attendant. Ok, on s'est fait dessouder nos avions là. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout les gens. Allez, former armée de tanks. On verra où est-ce qu'on envoie pour l'instant. On va déjà s'occuper de prendre Kyoto. Ça doit plus être très long. Ah, guerre urbaine. Ah, on s'est fait rétam. On va finir avec les tanks. Voilà. Blitz. Ils peuvent attaquer un coup, c'est parfait. Allez, encore un coup. Hop là, on a pris Kyoto, parfait. Bah, je pense que c'est une belle fin d'épisode que d'avoir capturé la capitale japonaise, enfin. Au final, bel épisode, on aura
réduit à néant l'Empire espagnol, pris la capitale japonaise, atomisé Athènes. Franchement, on est pas mal. Bon, allez, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode qui sera soit le dernier, soit l'avant-dernier, j'en ai bien peur. Allez, bisous.